Eh bien, je pourrais ajouter eh bien combien de fois devient cette phrase? Je pense qu'on pourrait continuer, mais c'est pas intéressant. On va reprendre. Enfin, reprendre, pas du tout. Je vais réussir à dire ce que je veux dire. On va découvrir Kingsgrave durant cette petite heure qui m'est due. 18h55, ouais, on a une heure. Kingsgrave du studio Alawar. Et j'aime bien Necrosmith ce qu'a fait Alawar. Et j'ai pas joué à beaucoup beaucoup d'autres jeux finalement. Ah, il y a Wallworld aussi. Wallworld qui reprend le truc de Dome Keeper. Et donc Necrosmith 1 et après Necrosmith 2 que j'ai pas rejoué beaucoup, mais il faudrait que je fasse. J'aime beaucoup ce qu'ils font. J'aime. Ah, la musique est forte. On va baisser. Ah non, c'est le pixel art en fait. Je crois que c'est ça qui me plaît énormément. Bref, nous allons découvrir un jeu d'aventure vu du haut un petit peu, des pixels, des choses. Coucou, coucou. Ah, il faut que je me mette là. Attends, je vais essayer de me mettre là comme ça. On va faire un truc, on va tester un truc un petit peu. Attendez. Ah, je mets là, je mets tac, tac. Tac, je vais mettre encore plus petit. On teste des trucs, on teste des trucs. Ah, mais du coup, je suis plus dedans, c'est pas grave, c'est pendant les dialogues. Ah, c'est terrible. Non, je vais me remettre là en fait. Ah là là là, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. On va y arriver, je vous le jure. On est capable. J'ai réussi, vous êtes de retour. Alors, qui êtes-vous? Pourquoi suis-je vivant? Qui êtes-vous? Pourquoi suis-je vivant? Attendez, qui était cette femme qui brillait? Et qu'est-ce qui se passe ici? Ok. Alors, on se déplace, on a un roi. Et donc, il y a eu un problème, forcément. Il y a eu un problème. Il y a un problème parce que moi, je suis pas au bon endroit. Si je me mettais là, ce serait mieux. Voilà, ça y est, on est bon là, on est bon. Y a-t-il plus d'explications? Non, je ne sais plus. Mais donc ce roi donc a malheureusement un royaume qui est en feu et il doit sauver, je crois, ses citoyens. Il doit ramener l'ordre, je suppose. Quelque chose qui y ressemble. J'avais testé un peu la démo avec un ami, mais c'est tout. J'ai remonté un peu dans mon casque, c'est plus safe, je trouve. Je suis faible, je ne parlerai que de l'essentiel. Qui êtes-vous déjà? Que s'est-il passé ici? Trouver des survivants, les sauver. Alors, tous ces éléments, nous ne les avons pas pour le moment. Donc, on va être dans un jeu avec des petites choses qu'on récupère, des petites ressources quand même par-ci par-là. Pif. Hein. Oh, ça fait splouch. On allume des torches. C'est quoi ça? Flamme de l'espoir, ferraille. Ok. Ok. Ah, oh, je suis en train de me dire que c'est méga fort en fait. Que c'est méga giga fort. Mais seulement à certains moments quoi. C'est quoi? Un pont brisé. On répare le pont. Allez. Mais j'aime bien leur jeu parce que c'est toujours très joli. J'aime bien leur patte artistique, visuelle. Paf. À chaque combat, la petite musique et la lumière baissent. Votre Majesté, est-ce vraiment vous? Mais oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux pas courir. Là, je joue au clavier souris, mais on pourrait jouer sans doute à la manette. Hein. Ok, là, j'ai activé le truc là-bas. Qu'est-ce que je peux faire en bas? Je ne peux rien faire. Mon camp de travailleurs permet de dégager des décombres. Je peux rien faire. Très bien, très bien, très bien. Ok, allez, barrons-nous. Ah non, mais attendez, je peux pas rien faire là. Comment je fais?
Ah bah non, c'est là-bas. Oh. Tout comme l'espoir m'a donné naissance, l'essence de vie libérée par les corps des victimes de la maladie donne naissance à ces créatures. Ces ignobles limaces proviennent-elles des cadavres de mes sujets? Et pas seulement, un ennemi plus terrifiant nous attend. Tenez-vous prêt, votre majesté. Oh. Je sais pas si on aura l'occasion de le finir aujourd'hui. Une petite heure m'est attribuée pour y jouer en tout cas. Je remercie cette heure. Bien qu'il ne soit pas 7h. Il est 19h01. Hôtel de la vitesse. Donne au roi une charge. Okay. Vous avez débloqué la capacité spéciale charge. C'est quoi ça? Donc j'ai une charge. Mais comment... comment ça fonctionne les charges? Attendez, je comprends pas tout là. Donne au roi une charge. Ouais, ah c'est shift. Merde. Putain non. Oh non, mais dis pas que je me suis bloqué. Oh putain, j'ai eu peur là. D'accord. J'ai une charge en tout cas. Oui, c'est vraiment du pixel art, des animations de pixel art très très satisfaisantes en fait. Ah merde, je perds déjà la vie. Qu'est-ce qu'on a ici? Atelier d'arbalète, ok. Tiens, je vais remettre... j'étais en train de me dire, est-ce que je remets le son comme il était avant? Ah, les sons, en fait, les sons de base sont très forts. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Putain, j'espère que j'ai pas perdu la sauvegarde. Enfin, j'ai pas perdu la progression. Ça, on va le mettre bas. Ça, on pourrait le mettre comme ça, mais ça, on va le mettre bas. Ouais. Ah, c'est fou, hein. C'est quand même très très fort, toi. C'est très très fort. Continuez. Ok, me remettre ici. Ils sont sympas quand même. Ils sont sympas. Alors, qu'est-ce qu'ils disent, caserne. Trois citoyens vous ont rejoint. Ouh, ok. Chouette. D'accord. Là, ça, je pourrais faire passer le jour. Ok. Là, on a des petites boîtes qu'on pourrait poser, mais on peut pas les porter. On peut pas les pousser non plus. Non, il faut un pouvoir. Je n'ai pas le pouvoir. Ça fait rien. Pas non plus, d'accord. Ça, je peux poser ça. On va voir, tant qu'on peut faire des trucs, on continue, et quand on pourra pas, ben on passera la journée. Camp de travailleurs, vous pouvez maintenant dégager des décombres. Ah oui, les décombres. Alors, il y avait des décombres à un endroit, c'était là-haut. Ici. Voilà. Votre Majesté, est-ce vous? Vous êtes vivant? Un champignon. Un pote. Oh, un succès déjà. Ah, 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 ah. Ah, je me rappelle de ce truc-là. Enfin, je l'ai fait en off. Il y a une combinaison, en fait. Voilà, je connais pas la combinaison. Et on peut pas faire du pivomètre là, malheureusement. Ça ne marche pas comme ça, la vie. La vie ne fonctionne pas comme ça. Pas tout randomisé. En espérant que ça fonctionne comme ça par magie. Pas comme ça que ça marche, la vie. T'es pas au bonheur la chance, comme ça. Alors, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour déblayer? Oui, j'ai. Votre Majesté, est-ce vraiment vous?
Vous êtes mort il y a 50 ans. Je sais que c'est vous, mais comment? Je suis tout aussi confus. Depuis combien de temps dites-vous que je suis mort? 50 ans? C'est donc pour cela que tout est en ruine? On dirait que la maladie n'a pas reculé, même après ma mort. Vous avez raison. Votre Majesté, aucun remède n'a été trouvé. Certains ont simplement survécu tant que l'on sache pourquoi. Sans que l'on sache pourquoi. Je suis l'un des rares chanceux. Qu'allez-vous faire? Je serai heureux de vous aider. Si vous pouvez trouver les matériaux nécessaires pour réparer ma maison, je vous dessinerai une carte. Je vais voir ce qu'il est possible de faire. Je vais essayer de vous aider. Je vais voir ce qu'il est possible de faire. Une carte. Attendez, il y a quoi un truc? Permet de vous téléporter entre les torches au feu. Bah ouais. Ça peut être utile. Donc là, je peux me TP à un endroit. C'est cool. Waouh! Donc. Ok. Ici. Pas des trucs. Permet de dégager des cons, d'accord. Pour le moment, j'ai toujours que le shift, enfin que la charge. Ah merde, c'est vrai qu'il y a Discord aussi. Attends, il faudrait que j'essaye de désactiver les Discord, les notifications Discord. Je me dis aussi, est-ce qu'il n'y a pas un mode tout simplement quand tu fais Discord en mode streamer? Ah non, parce que mode streamer, je crois que c'est juste pour protéger les noms des gens. Mais le son, tu l'as quand même. Blip la chloup. Je blip la chloup. Ok. Et du coup, est-ce que le son a baissé vraiment? J'ai l'impression que c'est beaucoup moins fort tout à coup. Hein. Alors, je regarde en même temps si le son est bien. Oh. Bonjour madame. Transforme l'essence vitale en bois. Oui, pourquoi pas. Ici vous pouvez transformer l'essence vitale en bois. Un peu de bois, ça fait toujours ça de. C'est toujours ça de gagner quoi. Combien j'ai de bois moi? X. J'ai 12 bois. Voilà, 15 bois c'est bien. Et Z c'est quoi? Oh attendez, transforme l'essence vitale en bois. Ouais. Ah c'est pour le nombre de bois, d'accord. On peut en avoir plus. M. M, ah non, pas d'interrogation. Ouais, parce que je suis en QWERTY. C'est logique. Bonjour madame. Nouveau citoyen. Un nouveau citoyen vous a rejoint. Citoyenne, là. Différence. Attends, je vais faire encore un truc. Parce que j'ai l'impression que la musique a baissé complètement. Ah là là, c'est un live configuration. Tac. Ça devrait être mieux, peut-être un petit peu mieux. Ah, faut qu'il y ait quand même un petit peu de son quand même. Faut quand même qu'il y ait un petit peu de son quand même. Quand même. Et là, d'un coup, c'est beaucoup trop fort. D'un coup, c'est beaucoup trop fort. Wouhou! Je sais pas à quoi il me sert le bois d'ailleurs. Là, je peux rien faire. Ah, je peux péter ça éventuellement. Un peu de champignons. On va voir hein, quand est-ce que nous allons être obligés de passer la journée. Ouais. Alors, on les a complètement défoncés là. Ils ont rien compris. Ils se sont auto-défoncés même. Là par contre je peux rien faire. Est-ce que je peux pas tirer de projectile? Je n'ai pas d'arc. Alors attendez. L'arc, je peux pas. Il me manque quoi? Ah bah si, je peux. Je peux carrément faire un arc. Ou je remonte du coup. Merde, comment je fais? Merde, ça marche pas? Ah si, si ça marche. Arbalète. Vous avez reçu une nouvelle arme à distance avec des dégâts perforants. Ouh, ok, donc là j'ai 4 flèches. Je ne sais pas si c'est des flèches illimitées ou... Si, c'est des flèches illimitées. Est-ce que ça se recharge à un moment donné ou...
Ah, ça se recharge. Ok, c'est cool. D'accord. Donc il y avait un endroit où il fallait tirer des carreaux d'arbalète. C'est là. C'est là. Le Yukun-kun, messieurs, il est là. Atelier de hache. Déverrouille une nouvelle arme. Nouvelle arme hache. Pour construire, il faut utiliser. Tuer les ennemis proches. Les ennemis? Ces ennemis-là, ils pourraient être très bien dans. Ils pourraient très bien être dans Necrosmith, hein, pour moi. Oh, faut que je rejoue aussi à. À. Comment ça s'appelait le jeu là? Le jeu avec le loot, il fallait cliquer partout, il fallait être rapide. Ah merde, je sais plus. Le jeu où ton personnage, ça, il a un gros sac à dos et il faut cliquer sur les ennemis super vite. Grid Venturi, c'est ça. Je joue. Ou je rejoue à Grid Venturi. Il faut que tout le monde joue à Grid Venturi. Le jeu du grid. Le jeu qui a grid. Aïe, ça fait mal. Mais je savais que ça me ferait mal, mais j'avais quand même envie d'essayer. Pensez-vous que je sois bizarre? Pensez-vous? C'est quoi ça? Oh, c'est bizarre ça. Ok. Qu'est-ce que c'est? Ok, on a besoin de plein de trucs là. On a besoin de silence. De citoyens, du bois, du métal, des lingots, plein de choses. Ok. Ouais. Ça, c'est quoi, ça? Atelier de lance, d'accord. Très bien, très bien, très bien. Là, je peux peut-être passer par là. Ouais, non, pas du tout, pas du tout. Ah, on va peut-être être... Et là, du coup, ça, c'était ça, c'est vert, ok. Et là? Ah! Ah, voilà. Le Yukun-kun, il est là. Aïe, aïe, aïe. Merde. Voilà. On leur pète la gueule, là. On leur pète la gueule, là. Vous avez compris? Waouh! Putain, s'il faut que j'arrête aussi. Faut que je fasse gaffe aux ennemis qui ont une zone d'effet. Une AOE. Sauvez-nous! On ne peut pas sortir! Je vais vous sauver, vous inquiétez pas. Je suis sur le... Je suis sur la brèche. C'est moi le roi. Sally. Oui, c'est bien lui. Pétard. Oh pétard. Très bien. Kill 30 enemies with a scepter. Et c'est à mon sceptre que je les tue. Dans une salade. Alors attendez. Ah. Ah. Attendez. Ouais. Ah. Aïe aïe aïe, mais j'ai mal. Hein. J'ai mal en crevé. Hein. Ah, je sais pas si ce qui se passe d'ailleurs si je meurs. Ça peut être. Voilà ce qui se passe. Réapparaître. Question, réponse. Pour vous public. Merde, je pensais que j'aurais esquivé le dernier, mais... Donc là, le grappin, ok. On a des trucs, voilà.
Merde. Aïe. Aïe. Allez, les citoyens. On est bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Hôtel de la télékinésie permet de déplacer des objets lourds. Ça peut être très pratique, ça. Ouais, on va jouer à Magneto. On va aller déplacer des choses. Mais est-ce que c'est pas un peu déplacé de déplacer des choses? Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'on peut impunément faire ce genre de jeu de mots comme ça, même aujourd'hui? Voilà, comme ça, là, voilà. Ah oui. Alors, attendez, comment on fait, là? Ouais, comme ça. Oh là là. Ah, il manque un dernier truc, c'est ça. Ah, oh, c'est compliqué là. Ah là, quel enfer. Merde, lui il est pas bon. En fait, lui il faudrait qu'il se mette comme ça. Comme ça. Ah, c'est bon. Hôtel de la vitesse augmente la distance des charges. Mais là, il me manque quoi? Il me manque de la lumière. Il manque de la lumière, et oui. Je suis pas une lumière. Hein. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ok. Je sais pas d'ailleurs si on fait jour suivant. Ah oui, mais ça fait popper tout le monde en fait. C'est un peu comme le bonfire de. Comment? Le bonfire de Dark Souls. Là, j'ai un couteau, mais je sais pas ce que je fais avec ce couteau. Ah, c'était pas le couteau, c'était un levier. Oh la vache. Ça fait mal. Oh, ça fait mal aussi. Aïe. Ah, ça fait mal. Jour 3. Alors j'imagine que plus les jours passent, plus ça va devenir compliqué. Peut-être qu'on va prendre cher. Ah la vache. Ah oui, la démo était moins dure. Non mais je fais ça pour les success team, hein, de toute façon. Comme chacun le sait, success team, c'est quand même très important. Montrer au monde entier que qu'on peut le faire. Je peux le faire, mesdames et messieurs, je peux le faire. Je peux faire un success team. Oh là là. Aïe. Ok. Voilà. Alors là, il y a quoi ici? Voilà, pour construire. Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a encore? Encore des ennemis? Voilà. Barrez-vous de chez moi. Hop, tu peux pas? Encore des ennemis. Et c'est incroyable. C'est une véritable infection. Une véritable invasion.
Bah, y a pas d'ennemis là. C'est ce que vous me chantez. Il est caché où le dernier? Ah, il est là. Allez, c'est bon. Allez, 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 allez. Trois copains. Ok. Et là où il y avait un truc aussi, dans la gauche. Ici, vous pouvez transférer l'essence vitale en pierre. D'accord. Donc là, comment ça se passe? On a ça. On en a pas mal des lingots, hein. On va peut-être arrêter les conneries. On en a suffisamment, je pense. On va voir s'il n'y a pas besoin plutôt d'autres matières. Oh là là. Ok. Ok. Bien. Alors là, du coup, on en est où? Je sais plus. On a exploré pas mal de zones, là. Et toutes ces choses-là qui sont pas construites. Ça, on pourrait, mais il nous faudrait du bois. Mais on pourrait. Mais il nous faudrait du bois. Mais on pourrait. Mais on, il faudrait du bois. Mais on pourrait. Où est-ce qu'on fabrique du bois? Ici. Voyons voir. Tac, tac, tac. Voilà. Du coup, on va retourner je sais plus où. Pour le bouclier, pour ci, pour ça. Ouais, le bouclier, ouais. De toute façon, là, on a ce qu'il faut, là. Ouais, on a ce qu'il faut. Pourquoi ça va nous servir, ça? Vous avez reçu un équipement, vous pouvez maintenant bloquer les attaques ennemies. Mohoho. Ah ouais, par contre, c'est le bouclier un peu comme ça, là. Oh là là, c'est pas terrible, ça. Ah ouais, d'accord. Ah oui, mais c'est... D'accord, d'accord, d'accord. C'est utile pour plus que ça, en fait. D'accord. Ouais, c'est pas juste un bouclier, hein. C'est une résolution d'énigme. On est un peu sur un espèce de Metroidvania en fait. Ah, je me rappelle cet endroit, j'ai fait ça en off. Ah ouais, alors les ennemis aussi, il y a des ennemis qui sont un petit peu énervants alors avec leur animation, tu les tapes et tu sais pas où ils sont. Ah ça fait mal. Dur. Je sais pas si ça nous fait perdre des ressources ou pas. Je sais pas bien. Ah ouais, alors les gros ennemis qui explosent, en plus, même le fait de les tuer, ça n'empêche pas qu'ils explosent en fait. Aïe 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 aïe. Oh, aïe 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 aïe. Ah, il explose. Oh putain, il y a beaucoup de monde là. Oh là là. Oh la vache. Oh la vache. Ce qu'il faudrait, c'est que je fasse péter ça sur eux.
Ouf. Oh. Ouais, dur. Ah, dur là, dur, dur, dur. Dur labeur. Ah, dur labeur, dur labeur. Pourtant, c'est une crème, mais. Mais dur labeur. Oh là 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 là. Ah! Ah merde! Et en plus j'avais esquivé et je me suis repris après sur le retour. Fais chier. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. J'ai été trop greedy. Faut mourir là, faut mourir. Vilain monsieur. Waouh, 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 waouh. Oh là là. Oh là là. Fouille. Ah, fait chier. Un petit peu coton ce passage là. Un petit peu coton. Faudrait que je sois plus rapide, mais je peux pas augmenter ma vitesse en fait. Pouf. Ah non, mais le coup que je me prends là, c'est dégueulasse parce que la zone d'effet, on comprend pas. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Ah purée. Aïe aïe aïe, putain, j'essaie de le taper sans qu'il me touche, c'est pas simple hein. Oh putain. Bon. Tu abuses Billy, tu abuses. Est-ce qu'il y aurait moyen est-ce qu'il y aurait moyen éventuellement de faire autrement? Est-ce que j'aurais pu changer d'arme? Ou alors... non, je peux pas. Je sais pas s'il n'y a pas moyen. Je regardais éventuellement, y a-t-il pas un autre endroit où je pourrais aller pour augmenter ma... mes armes peut-être? Pourrais-je augmenter ma puissance? Et il faut ça, mais le problème c'est qu'il faut du métal. Enfin, il faut du scrap, j'ai l'impression. Là-bas, et ça. Il y a des matériaux que je peux pas récupérer autrement. Des matériaux qui sont compliqués à récupérer. Ah, mais là, j'aurai éventuellement. Le problème, c'est que je peux pas y accéder. Ok. Bon, allez. Allez, chaud.
Waouh. Ouais, en fait, les gros explosifs là. Oh, merde! Les gros explosifs, faut les faire. Pour les faire à distance. On va pas s'embêter, hein. Franchement. On va pas s'embêter. Moi, je te le dis. Aïe 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 aïe. Ok, j'ai encore un peu de vie, mais déjà j'ai la moitié de ma vie dans la gueule. Hein. Oh là là, oh là là. Ah, ce qu'il faut, c'est que j'arrive à faire péter les gros en fait. Oh pétard. Dommage qu'ils puissent pas prendre les tirs des autres par contre. Punaise, ils veulent pas se les prendre les tirs. Enfin les... Ah ouais, c'est un petit peu touché là. Allez, on y est presque. Oh pétard. Oh pétard. Ah la vache, ils sont trop nombreux en fait. Ils sont groupés. Et... Ah. Hop 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 hop, putain je me fais peur. Je me fais peur. Oh merde putain. Je crois que... Attends, je crois que j'ai réussi. Oh, putain je suis mort à la seconde. Je suis mort à l'ouverture de la porte. Oh non putain, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Ok. Ah putain. Ah. Ah. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe.
Putain, je suis à 35 PV là. Punaise! Ah là là, je prends tout, je prends tout, tout, tout. Quel enfer, quel enfer, c'est complètement trop dur. Nya. Oh la vache. C'est horrible, hein. Attendez. Comment ça se fait que par contre, temps en temps, ils leur font des dégâts et temps en temps, non? Ah, c'est les pièges. Les pièges. Paf! Bim! Ah, il faut vraiment passer à côté d'eux, les frôler, mais de la bonne façon quoi, sinon ça marche pas. Ah putain. Je vais rester une heure sur ce combat. C'est quand même dingue. Alors que je pourrais manger des chips. C'est quand même bête quand même de se dire qu'on pourrait manger des chips et on est là, on joue à un jeu. Waouh. La difficulté, elle est vraiment dosée salement là quand même, je trouve. Oh. Paf. La vache. Waouh. Oh là là, mais comment tu veux toucher ça? Comment tu veux toucher ça? Aïe aïe, oh là là. C'est bon, toi t'es mort. Ah, j'avais tué 30, mais j'ai un peu triché parce que... Ok, on est bon. Alors, ensuite. Ah, putain, et l'animation où je me fais avoir aussi, c'est dégueulasse. Ah, dur. Kalimoon! Bonsoir, Kalimoon. Tu connais le jeu Shadow of Doubt? Ça me dit quelque chose. Attends. Oui! Oui, c'est du voxel, c'est du jeu d'enquête, la troisième personne. Et t'as un monde immersive sim, tu te balades un peu partout, c'est la vie, c'est la mort. C'est mon fils, ma bataille. Les Salmalek. Ça va bien, hein, Dr. Artek, tout le monde arrive avec ses refs, et oui. Non, ça a l'air bien, hein, ça a l'air bien. On dirait Undermine. Undermine, je connais, oui, c'est génial. Alors, ça pas. Au niveau du gameplay, c'est pas pareil. Mais visuellement, il y a quelque chose, ouais. C'est plus maîtrisé, Undermine, quand même. Après, c'est quand même pas du tout le même genre de truc. Non, là, je suis en train de bugger sur ce passage, c'est compliqué. J'espère que vous allez bien tous les deux. En tout cas.
Mais Shadow of Doubt, oui, oui, ça a l'air bien. Et il y en a un qui a un peu la même DA, je trouve, c'est The Padre. The Padre sur Steam. Et là, c'est plus, à mon avis, c'est plus un genre de Resident Evil avec des voxels. The Padre. Ah là là, c'est chiant ça. The Padre, c'est vraiment exactement la même DA. Mais à mon avis, c'est un jeu beaucoup plus petit, je pense. Je pense que c'est beaucoup plus intimiste. Ah, je ne sais pas ici à chaque fois que je passe. Et si vous connaissez pas ce studio du coup de ce jeu auquel je joue, c'est à la voir. Ils font un jeu que j'ai un concept que j'ai adoré moi. C'était Necrosmith. Et il y a eu Necrosmith 1 du coup et il y a eu Necrosmith 2. Et c'est très très cool Necrosmith. Si vous connaissez pas le genre. Pétard. Ah, on y est presque. C'est un mélange de tower defense et de et d'expérimentation, de création de monstres. Ouais, c'est bon. Et du coup, ce studio là, donc Kingsgrave, Necrosmith, ils ont fait d'autres trucs, Eyes of the Beholder, mais je sais pas trop, j'ai pas joué. Et Wallworld. Wallworld, c'est le même gameplay que Domekeeper. Mais à la verticale. Enfin, plein d'idées à chaque fois, c'est ça que j'aime bien avec eux, c'est qu'il y a une bonne, quand même, une bonne patte aussi visuelle, que j'aime bien les pixel art et les animations. Mais ils essaient de mélanger des trucs un peu hybrides de temps en temps. Pour moi, c'est là que ça a vraiment du bon les jeux indés, c'est que tu mélanges des choses et ça fait des choses vraiment, vraiment originales. Tu prépares bien tes streams pour moi, merci, merci. Bah, écoute, avec plaisir. Improvisation, inspiration, voilà le secret. Ça me parle de nom, mais je vois pas du tout. Ok, c'est un hasard, hein. C'est un hasard. Vous avez survécu à ce combat, mais ce n'est que le premier d'une longue série. Un terrible ennemi vous attend au bout d'un long chemin. Je peux le sentir, loin au sud, dans une vieille prison. Je sens les ténèbres et le désespoir qui se répandent sur le continent. Et ces ténèbres ne s'arrêteront pas avant d'avoir consumé tous les survivants. Sauvez-les, sauvez-les, mon roi. Je crois en vous. J'aurais peut-être dû rester mort. Oh, le roi qui fuit ses responsabilités, quoi. Quelle honte. Nous sommes un roi accablé par la responsabilité d'avoir perdu tout son royaume. Il essaye de le sauver, plus ou moins. Alors ça, ça nous téléporte, d'accord. Et je l'ai acheté complètement sur un coup de tête, hein, parce que j'aime beaucoup ce studio. Il y a des choses qui me plaisent. Alors voilà, quoi. Oh là là. Je suis en train de me dire que je... Oh là là. 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 Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je suis allé là? Oh là là. Oh là là! C'est horrible! Comment je fais? Non mais c'est intuable ce truc. On va se mettre d'accord deux secondes. C'est intuable. Oh la vache. Ok. Ah, ça fait mal. Putain, c'est horrible. Il le fait 4 fois et après il se repose. Deux. 3, 4, 3 qui enlèvent. Ah merde, il y en a un quatrième. Ah pétard. 2, 3, 4, 5. Ok.
2, 3, 4, 5. Deux, trois, quatre, cinq. Ah, et six, évidemment. Ah, bah non. Ah, papa. Deux, trois, quatre, cinq. Deux, trois, quatre, cinq. Allez, on va là-bas. Ah, putain, l'enfoiré. Allez, allez. Allez, allez, on lui botte le cul. Ouais, c'est bon. Ah, y a un mur un petit peu. Je trouve que c'est limite un petit peu maladroit. Je sais pas. Je sais pas si c'est volontaire, mais y a un espèce de mur de difficulté un peu sale. Mais je me demande si j'ai pas aussi. J'aurais pas dû aller à des endroits qui augmentent un peu ma puissance. Il doit y avoir moyen, parce qu'il y a des endroits où tu peux récupérer des choses. Pour le moment, on n'a pas sauvé grand chose dans le royaume. Mais on a réparé 2-3 choses. On a réparé un bâtiment qui nous a donné une arbalète. On a un qui nous a permis d'avoir la carte. Il y en a un qui nous a permis d'avoir des villageois qui permet de. D'enlever des éboulements. Là, il y a le bouclier. Bouclier, on s'en est quasiment pas servi. Il y a ces trucs-là, là. Je sais pas ce que c'est pour la hache. Il y a plein de petits trucs par-ci, par-là. Il faudrait que j'y retourne, mais j'ai pas les matériaux pour... Ah, quoique, attendez. Ah, mais si, j'ai les matériaux pour. Ah, il y a que lui où il manque le métal, mais là, je pourrais aller là-bas. Ah, attendez, on va finir la zone où on est. J'espère que j'aurai le temps, en plus. On peut mettre ça ici. Ah non, attendez, ça marche pas, ça. Attendez. Quoi? Ah oui, faut mettre ça là? Non. C'est pas clair. Non. Je suis pas sûr que ce soit ça là. Croyez que... Non, pas du tout. Ah non, alors pas du tout, mais alors pas du tout. Mais alors pas du tout, du tout, du tout, du tout. Mais alors pas du tout. Mais alors pas du tout, pas du tout, pas du tout. On va se refaire du bois, tiens. Tac, on va s'en faire... Voilà, on va s'en faire 40. Voilà, 40 c'est bien. On a 40 planches. C'est bizarre au niveau du gameplay du coup. Enfin du gameplay, les contrôles, bon c'est un top-down action. Mais il y a un petit côté Metroidvania. Mais en fait, c'est peut-être, c'est un peu juste un top-down action au Metroidvania, en fait. Est-ce que c'est un peu de la survie? Non, 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 il n'y a pas vraiment de survie en soi, mais... Genre de Metroidvania vu du haut, ouais. Grosso modo, c'est ça. Si je vais par là... Ah merde, atelier de hache, j'ai pas ce qu'il faut. Je suis content, j'ai avancé de contrôle. Wouhou! J'adore la DA. Ah ouais, moi aussi, je suis complètement fou de cette DA. J'adore le côté pixelisé un peu, fait un peu à la main. Je sais pas si c'est... Je pense pas qu'il soit beaucoup, beaucoup à le faire non plus. Hein. Enfin, je suis pas sûr qu'il soit beaucoup sur ce jeu, je veux dire. Produit une lance. Vous avez reçu une nouvelle arme de mêlée avec des dégâts perforants. Ah oui! Ah bah oui, c'est beaucoup mieux, ça. Alors par contre, la lance, je comprends pas, là. Ah, il faut taper sur la bouboule. Il faut taper, enfin, faut taper sur le carré et ça transforme en arme qu'on a. Ah. Non, il n'y a plus de méchant. Comment on est? Ah merde, là on n'a pas déblayé. Il y a quoi ici? Ici il y a ça. Ah oui, du coup, là, ça transforme ça en ça. Et du coup, ça, je fais ça. Et du coup, là, je fais quoi? Je sais pas. C'est ça? Non. Non.
Des dépôts à voir du côté obscur, les éclairs, je crois bien. Ouais. Merde. Comment on fait? Bah non. Non, ça marche pas. Quoi? Pourquoi? Ah merde, il est quelle heure? Il est déjà l'heure? C'était un micro live. Je pensais avoir jusqu'à 20h. Ah non, mais attendez, je comprends pas. Mais non, mais attendez. Le temps me manque. Bon, on va devoir s'arrêter. C'est terrible. C'est terrible. C'est choucroute ce soir. Bah ouais, on va s'arrêter. Du coup, je finirai ça une autre fois. Mais c'est bien du coup comme cliffhanger, ça donne envie de découvrir davantage le jeu. C'est disponible sur Steam. C'est quoi ça, 4€ ou 9€? Enfin, c'est 9€, je crois. Est-ce que c'est un petit peu beaucoup pour, je sais pas, je... J'avouerai que je suis complètement fan de ce studio, donc généralement j'achète tout ce qui sort de chez eux. Mais Necrosmith, c'était vraiment mon coup de cœur chez eux. Et il y a aussi Wall World qui était très très bon aussi. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai joué à Wall World avant de jouer à Domekeeper. Et avec le temps, finalement, je préfère presque Wall World à Domekeeper. C'est étrange. Bref. Bon, bah, on va s'arrêter là du coup. Est-ce qu'il y a moyen de finir sur quelque chose d'incroyable ou non? Peut-être pas. Attendez, est-ce qu'il y a quelque chose peut-être là-bas? Essayons de voir juste comme ça, l'histoire de dire. Ah oui, parce que ça, si je fais ça, je vais montrer au jeu que j'ai compris le jeu. Hop. Hop, hop, non. Ah non, si, faire ça, 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 et ça. Voilà, comme ça, j'ai compris le jeu. Bon, allez, on s'arrête ici. C'est tout pour le moment. Merci pour votre compagnie, les petits amis. GG. La fin du jeu, un jour, ce week-end. Ce week-end, peut-être. Parce que ce soir, ce sera le JDR avec Nobrive, avec Chaton, Horus. C'est sur la chaîne de Nobrive. Et puis pour ce qui est du reste, demain, ça sera Planet Crafter, demain. Avec Nobrive, Chaton d'Enfer. Planet Crafter, je connais pas du tout. Ça sera la découverte. Et le week-end, on verra bien. Sur ce... Ah merde, ça coupe la musique, c'est dommage, c'est pas grave. Sur ce, des bisous. Kalemoon, Dr. Artek, Miel et Mia, et d'autres gens, d'autres personnes que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Soyez fous, soyez folles. Et surtout, soyez fous, soyez folles. Bye bye.